Bienvenue à la paroisse de Progreso. Nous sommes au cœur de la Cordillère des Andes, dans la région Apurímac, une des régions hélas la plus pauvre du Pérou. Progreso est un village de 1300 habitants et nous sommes perchés à 4000 mètres d'altitude. Et son histoire est liée à celui de la mine, puisque nous sommes dans une région très riche en or et en cuivre. Exactement. Canoniquement, je suis curé installé par l'évêque du lieu, Monseigneur Domingo Berni. Une belle figure d'évêque missionnaire, auquel je voudrais d'ailleurs rendre ici un témoignage affectueux et filial, puisqu'il est en attente de son successeur pour se retirer et se reposer enfin après une cinquantaine d'années de mission. Alors oui, nous sommes ici en mission, et je souhaiterais peut-être préciser le terme qu'on emploiera au cours de ce reportage, parce qu'il y a un sens large du terme mission. On est tous en mission de par la grâce du baptême, et à plus forte raison, la grâce du diaconat, du sacerdoce, de l'épiscopat. Mais il y a aussi un sens plus strict, et là je me réfère au lieu géographique, où les structures matérielles, sociales, politiques, éducatives et religieuses, évidemment, sont ou inexistantes ou en voie de développement. Et là, dans la situation qui est la nôtre, en tout cas dans ma paroisse, je pense qu'on est vraiment dans un terrain de mission. Bendice, Señor, este lugar, bendiga a aquellos que trabajan, que viven aquí, para que puedan crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad y un día llegar a la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ma paroisse est composée donc d'une trentaine de communautés de villages qui se situent entre les 1900 et 4800 mètres d'altitude, Progreso étant le village le plus important en nombre et en qualité d'activité, grâce à la mine notamment. Quant aux autres petites communautés de villages, tous vivent de la terre et de leurs troupeaux.
Alors, comment vous décrire la réalité ici, et en particulier la pauvreté, qui ici fait peine à voir, vous savez, et qui est même préoccupante? Et là, je me réfère à la sphère des autorités locales et régionales qui sont corrompues, tout simplement, et un point assez inimaginable et en tous les cas scandaleux. Donc vous avez d'un côté cette poignée de dirigeants, et de l'autre, nos braves gens, agriculteurs, ouvriers, pasteurs de troupeaux, souvent analphabètes d'ailleurs, qui ne voient rien venir du côté de ceux qui ont les moyens financiers pour améliorer leurs conditions de vie, à commencer par le foyer familial de la plupart de nos villages. Hein, il y a souvent que deux petites pièces, la cuisine d'un côté au feu de bois qui enfume correctement les poumons des enfants jusqu'aux grands-parents, et la salle à coucher de l'autre côté où la famille passe la nuit. Hein. Tous ne dorment pas dans un lit d'ailleurs, hein. On dort encore sur les peaux de mouton avec toute la promiscuité qu'on imagine et qui n'est pas sans quelques conséquences. Nos gens ici ont un rythme de vie, de travail dur et austère. Hein, on se lève tôt le matin pour mettre en marche le feu de bois, faire chauffer une marmite de pommes de terre ou de soupe, et ensuite on emmène les troupeaux hein, dans les hauts pâturages. Et il s'agit d'ailleurs quelquefois d'une heure ou deux hein, de marche. Ensuite les enfants rejoignent l'école, c'est aussi une heure ou deux de marche hein, pour s'y rendre, et puis les parents vont au champ pour les cultures ou pour garder leur troupeau. Et tout cela dans nos altitudes, dont les températures ne sont pas toujours très clémentes. Il y a deux saisons dans l'année, la saison chaude et la saison des pluies. Hein. Une saison de pluie qui est longue, les orages sont mortels d'ailleurs, quelquefois. Et malgré tout cela, nos gens demeurent tranquilles, résignés, je dirais. Vous savez, cette culture en altitude n'est pas une culture de carnaval brésilien. Hein. Cela dit, nos villages maintiennent les fêtes, les danses, les chants et les costumes d'ailleurs très colorés, des costumes très colorés. Et de ce point de vue-là, il semble que les siècles ne se succèdent pas. Recibe, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén. Je demandais à un vieux père italien quelle différence voyait-il entre ces années où il était arrivé, il y a 50 ans, et la réalité actuelle? Il me répondait très simplement, pas grand-chose, tu sais. Alors oui et non, si vous vous référez au développement matériel des communautés de village ou au développement professionnel des jeunes, je crains que ça ne fasse pas partie de mes priorités et puis surtout ça ne corresponde pas en soi à la mission qui m'a été confiée ici. Maintenant, comme membre de ce village, je ne reste pas inactif et participe aux réunions de village par exemple, j'interviens selon les questions. Ici par exemple, on n'a pas d'eau potable.
La région ici est minière, donc dans l'eau qui arrive au robinet et qui n'est pas traitée, on a un taux élevé de plomb et de minéral, si vous voulez. Et tout cela provoque des maladies graves, des leucémies, des calculs rénaux, etc. Dans la mesure de mes possibilités, j'interviens auprès des autorités pour la question du traitement des eaux, par exemple. Mais voyez, il ne me viendrait pas à l'esprit de solliciter des bienfaiteurs pour financer un projet de traitement des eaux de nos villages. Par contre, tout ce qui regarde mon domaine, oui, on tâche de construire la chapelle qui manque à un village, on aménage des salles pour éventuellement faciliter des cours ou des soutiens scolaires. Dans le domaine, ce que je voudrais insinuer, c'est que l'Église, et là je me réfère aux curés de paroisse, aux missionnaires, aux organismes, il est important de respecter les structures locales et les autorités, même si elles sont défaillantes et corrompues. Notre force à nous, justement, c'est que on ne vit pas ou on ne vit plus de privilèges. Et c'est une force, vous savez. Ici, je souffre, comme tout le monde, du manque de développement sanitaire. Je souffre, comme tout le monde, du mépris des autorités régionales envers nos recoins pauvres et presque abandonnés. Et je pense que si la mission paroissiale consistait à vouloir pallier au dysfonctionnement, on perdrait de la force dans la sphère, dans le domaine qui est le nôtre. Qu'on le veuille ou non, il s'agit d'une sphère surnaturelle. Et si on quitte ce domaine-là, alors on risque de retourner à nouveau du côté des privilégiés, c'est-à-dire du côté de ceux qui ont les moyens économiques, ceux qui peuvent changer les choses. Par contre, à moindre échelle, il n'est pas interdit d'avoir des initiatives, comme celle que l'on met en place en ce moment avec le lancement d'une boulangerie qui n'existe pas encore ici à Progresso. Cela ne va pas révolutionner notre village, mais sans doute contribuer à ce que certains jeunes se forment à cette profession. Alors je dirais qu'il y a deux types d'occupations, celles plus personnelles, de la maison, de la paroisse, et puis celles qui sont liées directement à la paroisse et à la mission. Contrairement aux religieux, qui vivent en communauté de 3 ou 4 membres, moi je vis seul en paroisse, étant prêtre diocésain, et cela n'est évidemment pas sans conséquence dans la vie quotidienne, puisque j'assume tout seul les tâches domestiques de la maison paroissiale qui m'est prêtée. Je n'ai pas de cuisinière, ni de femme de ménage, mais j'ai quelques casseroles et un bon fer à repasser. Cela me revient donc d'organiser tout cela. On mène une vie simple, qui a même l'apparence d'une certaine austérité, et c'est bien, je crois que c'est même important que la vie du curé ne soit pas si différente par rapport à celle des autres. Quant aux activités pastorales et paroissiales, elles s'organisent essentiellement autour de la préparation au sacrement, le baptême, la première communion, la confirmation, le mariage. Et là, je tâche de passer dans les 7 collèges qui appartiennent à la paroisse. Là, on fait du catéchisme, du soutien moral aussi, et puis on tâche de manifester une amitié
et une paternité, comment dirais-je, peut-être plus responsable que ce que la plupart des jeunes connaissent dans leur maison. Je le signalais au début, la structure familiale ici est très fragile, voire inexistante. Il n'y a pas d'éducation réelle à la maison. Hein. Les gamins, comme tous les gamins du monde, sont bourrés de doutes, de questions, mais ne trouveront pas forcément chez leur père une réponse, et pas tellement plus chez leur mère. Là, je crois que l'Église a une grande responsabilité, et je réalise combien l'absence de vie familiale, l'absence de dialogue, d'échange, d'éducation, en somme, peut engendrer un désastre hein, dans l'intériorité d'un jeune. Donc il est évident qu'une présence sacerdotale, hein, simple présence au milieu de nos villages, de nos écoles, est un phare, une digue, et ce rien que d'un point de vue très humain. Alors être un phare lumineux, en paix, joyeux même, eh ben c'est une activité à part entière qui m'accompagne dans tous les déplacements et les rencontres. Vous savez, je n'ai jamais autant réalisé, depuis que je suis curé, combien la rencontre avec les personnes, et quand je dis rencontre, je parle de communion hein, avec les personnes, eh bien c'est une tâche éminemment sacerdotale et missionnaire. Hein. Combien de fois je suis sorti de la maison pour acheter du pain, hein, rien que cela, et en suis revenu trois quarts d'heure après, parce que les gens ont besoin de saluer le curé, les enfants s'empressent de donner une marque d'affection, et je ne sais qui vous raconte quelque chose qui n'attend pas le lendemain. Apu tai tai ko, ko ya pa ya wai ko. Apu tai tai ko, ko ya pa ya wai ko. Jesucristo, cuya paya waiku. Jesucristo, cuya paya waiku. Apu tai tai ku, cuya paya waiku. Apu tai tai ku, kuya paya waiku. Oui, je vous avoue que je ne pensais pas que notre travail sacerdotal était aussi simple et aussi dense à la fois autour de cette question de la rencontre, hein, de la communion avec les personnes. Et puis les gens sonnent à la porte pour inscrire une messe pour un défunt, ou pour une préparation au mariage, pour un baptême, et puis d'autres pour demander un sac de nourriture, hein, et puis d'autres encore pour parler, pour confier une situation difficile. Alors je reçois tout ce petit monde dans la cuisine, et puis on fait ce qu'on peut, et puis surtout un petit peu de catéchisme au pied levé. Et ça, je vous avoue que j'aime assez ça. Les visites aussi dans les villages font partie des activités, surtout au moment des fêtes patronales, des enterrements. Et là, je suis assez précautionneux au point de vue du soin pour la liturgie. Nos gens sont humbles, analphabètes pour la plupart des adultes et des anciens. Le travail de la terre les ont usés, fatigués, et ils n'ont pas forcément tous une grande capacité intellectuelle pour des réflexions métaphysiques. Mais vous savez, leur âme a le goût de la présence de Dieu, hein, de la prière, du silence et de la beauté aussi, hein, des gestes de la liturgie pendant la messe, pendant les sacrements et les processions aussi. Grâce à des bienfaiteurs généreux, j'ai pu acquérir des objets liturgiques qui ont une certaine valeur,
mais en tous les cas aussi une certaine beauté. Et je pense que cette beauté-là n'est pas à refuser aux gens humbles et pauvres si on a les moyens et le courage de le faire. Alors évidemment, cela suppose un peu de renoncement, de dévouement, de patience aussi, hein, trimballer le matériel en mission. Quelquefois, il faut marcher une heure pour rejoindre un village, hein, avec toute la poussière qu'on a ici en plus. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais comme me le disait un ami, l'abbé François Clément, il y a des petites choses dans la vie d'un prêtre qu'on fait seulement parce que cela vaut la peine. Et j'aime beaucoup cette expression, je la trouve très missionnaire. Oui, je suis seul. Alors évidemment, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que je suis assez libre pour organiser l'agenda de la journée ou de la semaine. Personne ne m'attend le soir en rentrant à la maison. Ensuite, je pense que c'est un témoignage assez fort dans une culture comme la nôtre, sud-américaine, où la solitude n'est pas forcément très valorisée. Je dirais même qu'elle est redoutée. Je remarque qu'on a peur d'être seul. Alors de voir que le curé vit seul, hein, qu'il n'a pas de double vie, qu'il est vraiment célibataire, ça a un impact assez considérable et sûrement bénéfique au bout du compte. Pour le prêtre, et n'importe quel consacré d'ailleurs, la solitude n'est pas en soi un défaut, hein, pour peu qu'elle ne soit pas un repli sur soi et sur son petit confort. Par contre, oui, je pense que si j'avais un confrère de mission, on pourrait en faire plus et certainement aussi le faire mieux. Et puis vous savez, notre vie quotidienne est alimentée et cadencée par l'office liturgique des heures. Hein, nous avons les laudes le matin et un temps d'oraison. L'étude aussi, j'ai la chance de donner quelques cours de philosophie dans le cadre d'un institut supérieur qui dispense des cours à distance, à des adultes. Cela demande de bien se préparer, non seulement du point de vue du contenu, mais aussi de la pédagogie. Et puis il y a aussi les lectures spirituelles, personnelles. Vous savez, c'est pas toujours facile de parler, hein, de prêcher à des gens humbles. Hein, la moindre abstraction qui vous échappe n'est pas forcément comprise. Alors heureusement que les textes de base, et là je me réfère à l'Évangile, ne sont pas des notes de cours à expliquer, mais un courant de vie à transmettre. Hein, il faut avoir passé quelques temps de silence et de prière pour que nos paroles fassent l'effet d'un générateur de courant. Et puis grâce à l'amitié avec les gamins que j'avais connus à Cusco il y a une quinzaine d'années, j'ai de temps en temps la visite de l'un ou l'autre, et puis je peux surtout compter sur eux. Hein, plusieurs sont de jeunes artistes, peintres. Alors ils viennent ici passer dans la paroisse quelques semaines, hein, pour réaliser une œuvre. Le dernier a fait une peinture dans la boulangerie que nous allons bientôt ouvrir. Un autre était venu l'année dernière pour peindre cette fresque dans l'église. Donc vous voyez, si je suis de fait seul en mission, je ne suis pas complètement isolé. Me llamo Marco Antonio Escalante Tito, soy de Cusco. Y estoy estudiando en la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco, en la ex Escuela de Bellas Artes. Y en esta oportunidad estoy aquí en Grau Progreso, realizando una pintura mural, ¿no? Desde un proyecto de la parroquia, que al mismo tiempo es como un apoyo para mí, que me ayuda a poder continuar con mis estudios en la universidad, ¿no? Y conozco al padre de aquí de la parroquia desde que era hermano, creo, ¿no? Desde que llegó de su país. Y por ello que tengo una amistad con él, ¿no? Y nos conocemos ya buen tiempo. Y ahora que él tiene oportunidad de estar aquí, pues me ha dado la gran oportunidad de poder estar un poquito aquí realizando estos trabajos, ¿no? Ça, c'est une question classique. Je vous dirais très simplement que je pense que le Christ sait comment s'y prendre. Il s'agit par contre, de notre côté, de nous donner les moyens de l'écouter. Et là, je pense qu'une retraite en silence pendant 5 jours est très recommandable.